You probably already know, a child who is physically active has better heart, muscle, and bone health. But did you also know that physical activity boosts brain health in kids too? That's right. The 2018 Participation Report Card on Physical Activity for Children and Youth reports that kids who meet the physical activity recommendations within the Canadian 24-hour movement guidelines have better cognition, brain function, and mental health. Participation and an expert panel of neuroscientists, exercise scientists, and disability specialists reviewed hundreds of studies. We found that children who are physically active have better performance in math, reading, science, and social studies. These kids also have better attention, focus, and concentration. They are better creative thinkers and better problem solvers. In fact, these active kids have even larger brains, especially in the areas of the brain related to memory, higher level thinking, and emotion. This leads us to another important benefit of physical activity in children and youth, better mental health. Active kids have fewer depressive symptoms, feelings of anxiety, and overall, they just feel happier. More specifically, research suggests that the brain releases these feel-good chemicals when children are getting active. Physical activity is associated with lower stress levels and better resiliency, particularly in the teen years. Self-esteem, self-concept, and self-worth are all improved in active kids. Now, this doesn't just apply to typically developing children. Importantly, many of these benefits are also reported in children with disabilities. In fact, kids with disabilities may experience even greater gains by increasing their activity level. Now, unfortunately, we know that kids with disabilities often experience more barriers to being active and are generally less active as a result. For that reason, inclusion and accessibility for kids with disabilities is really important. So, if you're a parent, educator, healthcare provider, or coach, I want you to ask yourself, how can I encourage a kid to get active for 60 minutes today and every day? Visit participation.com/report card to learn more. Vous savez probablement déjà qu'un enfant qui maintient un bon niveau d'activité physique jouit d'une meilleure santé au niveau du cœur, de sa musculature et de son ossature. Mais saviez-vous que l'activité physique améliore aussi la santé du cerveau des enfants? En effet, le bulletin de l'activité physique chez les jeunes de Participation nous révèle que les enfants et les jeunes qui suivent les recommandations des directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures bénéficient de meilleurs processus cognitifs, de fonctions cérébrales et d'une meilleure santé mentale. Avec un comité d'experts en neurosciences, en sciences de l'activité physique et de spécialistes en accessibilité, Participation a passé en revue des centaines d'études. Nous avons découvert que les enfants qui font de l'activité physique obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques, en lecture, en sciences pures et sociales. Ces enfants sont aussi plus attentifs et démontrent une meilleure concentration. Ils développent davantage leur pensée créative et la résolution de problèmes. En fait, ces enfants ont même de plus gros cerveaux, particulièrement dans les zones du cerveau reliées à la mémoire, à la réflexion de haut niveau et à l'émotion. Ce qui nous amène à un autre bienfait important résultant de l'activité physique, une meilleure santé mentale. Les enfants actifs présentent moins de symptômes reliés à la dépression et à l'anxiété et se sentent généralement plus heureux. Plus exactement, les recherches semblent indiquer que le cerveau produit des substances chimiques naturelles qui procurent aux enfants une sensation de bien-être lorsqu'ils entament une activité physique. Les enfants actifs ont aussi une meilleure estime de soi, sont plus confiants et se sentent plus valorisés. De plus, ceci ne concerne pas que les enfants ayant un développement normal. Il a été démontré que les enfants ayant une limitation profitent eux aussi de ces bienfaits. Les enfants et les jeunes qui ont une limitation pourraient même tirer de plus grands avantages d'un niveau d'activité physique accru.
Malheureusement, nous sommes conscients que les enfants qui ont une limitation doivent surmonter de nombreux obstacles face à l'activité physique et par conséquent sont souvent moins actifs que leurs pairs. Pour cette raison, il est important d'assurer l'inclusion et l'accessibilité à l'activité physique pour tous les enfants. Alors, si vous êtes un parent, un éducateur, un intervenant en soins de la santé ou un entraîneur, demandez-vous comment vous pouvez encourager un enfant à faire 60 minutes d'activité physique aujourd'hui, et ce, tous les jours. Pour en apprendre davantage, visitez leparticipation.com/bulletin.